Tunaanza ibada yetu mjina la Yesu Kristo. Commençons notre culte au nom de Jésus-Christ. Hebu shimame kwa usomi ya neno la Mungu. Ainsi mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Katika kitabu ya Warumi. Dans le livre des Romains. Sura sita. Romains chapitre 6. Mstari wa 4. Verset 4. Warumi sita mstari wa 4. Romains chapitre 6 verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Kwa maana, kama tulivyoungwa pamoja naye katika mfano wa kufa kwake, tutakuwa katika mfano wa ufufuko wake vile vile. Sacha que notre vieux homme a été crucifié avec lui, en fait que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tukijua neno hili ya kama mtu wetu wa zamani alisulubiwa pamoja naye, mwili wa zambi uharibiwe, tusitumikie zambi tena. Car celui qui est mort est libre du péché. Kwa sababu yeye aliyekufa amekwisha kuhesabiwa haki toka zambi. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Lakini kama tulikufa pamoja na Kristo, tunaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye vile vile. Sacha que Christ ressuscité de mort ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Tukijua ya kuwa Kristo akikwisha kufufuka toka wafu, hakufi tena wala kufa hakumtawali tena. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Kwa kule kufa kwake alikufia zambi mara moja, lakini kwa kule kuishi kwake anaishi kwa Mungu. Amen. Siku nyingi nilianya zambi kujua pendo la Mokozi, si kujua maumivu yake offrant qui c'est qu'il était ce soir chini ya damu ya mwana wako, sous le sang de ton fils, kubali nafsi zetu baba, agre nos âmes, na mkono wako wa baraka, et que ta main de bénédiction soit tendue sur nous ici, kwa jina la Yesu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et tunaalika kiongozi wa nyimbo. Nous invitons le directeur des cantiques. Tutamwabudu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Namba 221, cantique sélectionné. 221. Cantique sélectionné. Quand la trompette du Seigneur sonnera et l'état n'est plus, et viendra l'éternel matin radi. À la trompette du Seigneur sonnera et l'état n'est plus, et viendra l'éternel matin radi. À les sauver de la terre, à la terre aussi montée, à la belle rétablie, à la belle, 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 à la belle.
L'épouse de notre frère Kabidou toka pale Bunia kuangalia watoto venant de là à Bunia pour visiter les enfants. Ana shukuru Mungu kumlinda katika safari. Remercie Dieu de l'avoir protégé durant le voyage. Si tu peux te tenir debout, c'est mieux. Na analeta kwetu salamu. Il nous apporte les salutations de tous les frères de là à Bunia qui nous ont salués au nom de Jésus-Christ. Tukopia na ndugu Elisha kutoka aussi avec le frère Elisha Ulaya, venant de l'Europe. Namwalika pia karibia. Nous l'invitons également de venir ici pour vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Nous rendons grâce à notre Dieu. Tunashukuru Mungu wetu qui nous a gardé au départ et à l'arrivée. Ambel tuchunga kwa kwenda na kwa kufika. Amen. Amen. Nous vous apportons aussi des salutations. Quand j'étais en Krefeld, il y avait beaucoup de Krefeld. Passant par notre région de Marseille. L'Assemblée de Paris aussi. Le frère de Champigny, chef Ezekiel. Et je suis arrivé jeudi soir à Kigali. Nous avons communiqué avec le frère du Rwanda Kishirikiana na wandugu wa Rwanda Kigali. Ils m'ont aussi demandé de vous transmettre. Nao vile vile wakasema niwafikishie salamu zao. Ce matin, j'ai échangé avec le frère Tati. Na asubuhi leo nilizungumza na ndugu Tati. Il m'a demandé de saluer les anciens et l'église. Aniambia nisalimie wazee vile vile na kanisa. Un autre frère Vincent de Paul. Na ndugu mwingine jina yake Vincent de Paul wa Bruxelles, mimi nawaza mfamilia. Na aliomba kwa partie salimio zake. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Tunaalika jamaa Bahati Pascal wa kuja upesi na bebe. Nous invitons rapidement la famille Bahati Pascal de venir avec le bébé. Simuze Kabanza na janda. Kuja kumutolea kwa mikono ya Bwana. Il est en Kabanza se prépare pour venir consacrer l'enfant. C'est taxi. Nous parlerons de cela un autre jour. Consacrons d'abord l'enfant. Papa yetu, notre Père qui est aux cieux, te disons merci pour ces dons que tu as donné à cette famille. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as donné cet enfant, Père. Qui te plaise que cet enfant soit béni de toi. Comme les parents étant des humains, ils ont des limites dans leur connaissance. Toi, tu n'as pas de limites. Toi, tu es Dieu. Tu n'as ni débit ni fin. Tu n'as pas de limites sur la sagesse. Tu n'as pas de limites d'intelligence. Toi, tu es éternel. C'est comme cela comme ils ont vu qu'ils sont limités. Ils t'apportent cet enfant, Seigneur. Comme je l'embrasse, je te prie que tu puisses l'embrasser également. Pour que cet enfant puisse
grandir dans ton sein. Là où l'intelligence des parents s'est limite. Nous supplions que tu puisses augmenter ton intelligence. Et que tu puisses participer à élever cet enfant. Et quand il aura grâce de se grandir, il choisit du côté de Jésus-Christ. Et s'il est déjà attaqué, Seigneur, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. S'il est malade, que la maladie sorte au nom de Jésus-Christ. Embrasse-les sous les sangs du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mungu abariki bébé na wazazi. Que Dieu bénisse les bébés et les parents. Sans plus tarder, nous accueillons l'ancien Kaloba. Bwana Yesu Kristu abariki kila mtoto wake na kila binti wake mjina tukufu la mkombozi wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur Jésus Christ bénisse chacune de ses filles et chacun de ses fils au nom de Jésus Christ. Wakati tunabariki peuple ya Mungu. C'est bon lorsque nous bénissons le peuple de Dieu. Haiku kitu kya kawaida. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ni ordre yenye. C'est l'ordre qui a été intimé par Dieu lui-même. Vous bénirez mon peuple. Et moi je le bénirai. Somme frère, nombre chapitre 6, je crois. Nombre 6, et ça vous cite. Il n'a quoi parfois. C'est comme si il y a toi le chatouk. Nombre 6, je crois, à partir du verset 22. Somme. Il a somme okay. Livre verset 22. Nombre 6, 22. Bwana akamwambia Musa akisema, uambie Aroni na wana wake kusema, hivi ndivyo mtakavyobariki wana wa Israeli. Uambie watumishi. Di au serviteur. Ah. Hivi ndivyo mtakavyobariki wana wa Israeli, mtawaambia, Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukuonyesha neema. Bwana anyanyue uso wake juu yako na kukupa salama. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Amina. Amen. Amen. Ni ordre kutoka kwa Mungu. C'est l'ordre qui vient de Dieu. Kama tunatii ordre ya kutoka kwa Mungu. Et si nous obéissons à l'ordre qui vient de Dieu, Mungu ana exécuté promesse. Dieu exécute la promesse. Anasema na mimi nitawabariki. Il dit, moi je vous bénirai. Kila mara kukufasi kwenye unaweza unaweza sema Bwana awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quelque voix. Ni njia fulani. Sauti fulani. Ah, ni sauti kidogo. Mais nawaza tunakuja mbele ya Bwana. Je pense que nous venons devant le Seigneur. Ju yeye ndio chemchemu ya mibaraka kwetu. Parce que c'est lui la source de bénédiction pour nous. Tuwe na furaha. Ayons la joie devant le Seigneur chaque jour. Même s'il y a un cas, un problème, que cela ne te ravisse pas la foi, la joie. Que le Seigneur dit, réjouissez-vous à tout moment. Soyez, réjouissez-vous. Je répète encore, réjouissez-vous à tout temps. Ainsi dit le Seigneur. Et comprenons bien. Chakula yenye Mungu anatupa. La nourriture que Dieu nous donne. Kwa ile siku. Pour ce jour. Inatokana na maombi yenye tulimuomba. Ça dépend de la prière que nous lui avons adressée. Mungu anatupa. Dieu nous donne. Selon kufatana na mabesoin yenye tulimuonyesha. Selon les besoins que nous lui avons présentés. Tunapaswa kwa watu wenye wanajua. Nous devons être des gens qui savent. Namna ya kubarikiwa na Mungu. Comment être béni de Dieu?
Watu wenye ambao wanajua. Des gens qui savent. Namna ya kuomba neno. Comment. Kutoka kwa Mungu. Demander la parole et la grâce venant de Dieu. Leo tunakuomba. Aujourd'hui nous demandons. Uje utuzungumuzie. Nous disons viens parle nous. Amen. Amen. Na Mungu iko fidèle. Et Dieu est fidèle. Wakati walio wake wanamuomba kitu. Lorsque ceux-là qui lui appartiennent lui demandent quelque chose. Tayari. Lui, il est prêt à pouvoir le leur accorder. Mais ne soyons pas comme des gens qui sont déjà fatigués. Mon cinéma. Dans le cinéma. Mais je n'ai jamais vu ceux-là qui sont au stade. Étant comme ça. Non. Non. Vous les voyez toujours en mouvement. Mais ils sont devant les choses mortes. Kumbele habite en bobi mekufa. Mais si si, tout kumbele ici, nous sommes devant la vie éternelle. Kwa mtoto wa mfalme wa milele. Être enfant du roi éternel. Mungu wetu abarikiwe. Que notre Dieu soit béni. Le fura, et qu'il nous donne cette joie de notre salut. Tunaweza simama. Nous pouvons nous lever. Baba yetu na Mungu wetu. Notre Père et notre Dieu. Kwa sahi, tunakuja chini ya damu yako. Maintenant nous venons sous ton sang, accepte-nous. Baba mpendo utusamehe. Et bien aimé, pardonne-nous. Uje ujikusanye pamoja nasi. Et viens te réunir avec nous. Baba utuzungumuzie wewe peke yako. Parle-nous toi seul. Kwa kuwa naye jua. Parce que c'est lui qui connaît. Mahitaji yetu ya kiroho ni wewe. Les besoins spirituels c'est toi. Ya kimwili ni wewe. Les besoins charnels c'est toi qui les connais. Il y a matériel ni wewe. Tout ce qui est matériel, tu les connais. Tunakuhitaji baba. Nous avons besoin de toi, Père. Utusamehe. Pardonne-nous. Uje ujikusanye pamoja nasi. Viens te réunir avec nous. Ongoza kazi yote. Conduis tous les services. Sawa sawa na mapenzi yako. Selon ta volonté. Zungumzia kila mmoja wetu. Parle à chacun de nous. Baba mpendwa. Père bien-aimé. Tunahitaji présence yako. Nous avons besoin de ta présence. En ces lieux. Wagonjwa wapokee uponyaji kupitia vidonda vyako. Que les malades reçoivent la guérison à travers tes mains précieuses. Wenye mashida. Et que ceux qui ont des problèmes. Baba ujibie kwa kila shida. Que tu exauces chaque problème. Wewe ndio ulitwaidia kwamba sitawaacha yatima. Je ne vous laisserai point orphelin. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Baba. Père, accomplis cette promesse pour chacun de nous. Que tu sois béni, que tu sois exalté éternellement. C'est au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous debout et lisons dans Jean 4. 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Yohane Souraïne, Moustéra Makoumbilina Ine. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni roho, na wenye kumwabudu sharti wa mwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Tunaendelea, tunaweza nous pouvons nous asseoir. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Et il veut que son église reçoive son esprit et que l'adore en esprit et en vérité. C'est nous qui devons être dans cette condition. Parce qu'il nous a envoyé la parole de la vérité. Et il ne peut pas envoyer la parole sans esprit. Amen. Amen. Esaïe 59 verset 21. Tena katika habari zangu mimi, hili ndilo agano langu nao, Bwana anasema, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu yaliyotiwa kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako wala kinywani mwa uzao wako. Kwenye roho, kwenye neno la kweli
linatumwa na Mungu. Là où la parole de la vérité est envoyée par Dieu. Na Mungu iko pale. Dieu aussi est là à cet endroit. Mungu iko ndani ya neno lake. Dieu est dans sa parole de la vérité. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 63. Depuis le verset 63. Anasema. Il dit. Maneno yangu. Mes paroles. Son esprit et vérité. Le Saint-Esprit est dans la parole sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet que nous avons commencé à parler, les trois œuvres de la grâce ou les trois œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres que le Saint-Esprit est en train d'accomplir au sein de l'épouse qui doit être enlevée. Ndani ya bibi harusi ambaye anapashwa kunyakuliwa. Tuliona kazi tatu, kazi ya kwanza. Trois œuvres. La première œuvre. Inasema juu ya kuzaliwa mara ya pili. Ça parle de la nouvelle naissance. Na kuwa justifié. Et être justifié. De Dieu. Na Mungu. Ah. Tuliona kazi ya pili. Nous avons vu la deuxième œuvre. Ni utakaso. C'est la sanctification. Kisha kuzaliwa na Mungu. Après être né de Dieu. Ah, inafa tuishi maisha matakatifu. Il faut que nous menions une vie sainte. Tufanye effort. Et que nous fournissions un effort. La justification, elle nous est donnée par la foi. Kuhesabiwa haki tunayepewa kwa njia ya imani. La naissance. Kuzaliwa upya. Kama croyons. Tunapoamini. Sincèrement. Kwa moyo unofu. Nous recevons la nouvelle naissance. Apo tunapokea kuzaliwa upya. Mais lakini utakaso, la sanctification, unaomba tufanye na sisi ngufu. Elle veut que nous puissions également fournir un effort. Atutasema tulipewa. Nous ne pouvons pas dire okovu, que nous avons reçu le salut bila mali, bila sans richesse. Bila pesa, sans argent. C'est vrai. Ni kweli. Mais mais nous n'allons pas croiser les bras. Frère Branham dit. Les gens pensent. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Alipewa vyote. Il a reçu tout. Pour se préparer. Il dit. Les gens pensent que Dieu viendra avec une machine avec laquelle façonner les croyants pour qu'ils parviennent à ressembler à Jésus-Christ. Il prend le chrétien, le croyant, il l'introduit dans cette machine et la machine travaille la personne. Et après, il sort de l'autre bord étant parfait. Ayant ressemblé au Seigneur Jésus-Christ, il dit ce n'est pas ainsi. Nous devons faire un effort. Amen. Nous sommes dans le désert. Il n'y a personne qui puisse vouloir vivre dans le désert. Il y a beaucoup de difficultés. Mais nous devons marcher dans le désert avec l'espérance que Dieu est pour nous un secours jusqu'à ce que nous entrions dans Canaan. Amen. Amen. La sanctification consiste à fournir un effort. Je crois que tu lisais ma nous en avons parlé pendant trop longtemps. Tu dois faire un effort. Nous ne sommes pas des gens de la grâce infinie. Grâce infinie, c'est une fausse doctrine. Il est né, mais il n'a pas qu'à lui m'affondir au bon. C'est l'ennemi qui est derrière ces choses. Nani a dit que nous mais les membres qui aiment les mêmes pas. Grâce infinie. La grâce infinie. C'est une fausse doctrine. Lui m'affondir sur le bon. Les gens disent ok. Attention, ok. Tout me reconnaît au coin. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est fini. Binishia pali. C'est un mensonge. La grâce de Dieu, elle est venue pour que vivre la vie qui ne plaît pas à Dieu. La grâce est venue pour nous empêcher à mener une vie qui ne plaît pas à Dieu. La grâce ne nous dit pas de vivre n'importe comment. Mon frère,
Ndugu yangu, nous sommes candidats au baptême du Saint-Esprit. Tuko wetu pasha kubatizwa. Avant le baptême du Saint-Esprit, mbele ya ubatizo wa mtakatifu, nous devons devenir saints. Tunapasha kwanza kuwa watakatifu. Anasema je suis saint. Il dit, mimi ni mtakatifu. Vous aussi soyez saints. Mimi pia mu watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Amen. Ni roho mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Aiko ro ce n'est pas un esprit des suyeux. C'est l'esprit saint. Il entre là où il y a une maison sainte aussi. Et si nous négligeons la sanctification, alors nous allons rester des hommes charnels pendant longtemps. Mais nous devons veiller et prier Dieu. Aide-moi. Donne-moi de vivre ta parole. Parce que la sanctification, c'est la parole de Dieu qui produit la sanctification dans notre vie. Et la troisième œuvre, c'est par là que nous, c'est là que nous sommes arrivés. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et pour aller dans l'enlèvement, il faut ces trois œuvres. Il faut qu'elles s'accomplissent dans votre vie et dans ma vie. Matthieu 25, à partir du verset 10. Matthieu 25, verset 10. Il est dit, ceux qui étaient prêts. Wale ambao walikuwa tayari. Ceux qui étaient prêts, ça veut dire. Benye walikuwa tayari ni kusema. Benye balipokea hii kazi tatu. Ceux-là qui ont reçu les trois œuvres. Ndani ya maisha yao. Dans leur vie. Ceux qui étaient prêts. Benye balikuwa tayari. Ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Sema wenyewe walikuwa mebatizwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kazi. Et c'est la troisième œuvre dont on va parler. On va continuer à en parler. Frère Branham dit, c'est un sujet très important. Je vais lire ici ce qu'il est en train de dire ici. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Page 2. Nous sommes à la page 2. À partir du sixième paragraphe. Paragraphe 6. Ce soir, Johnny, je vais parler sur le sujet suivant. Nitasema juu ya mada ifuatayo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Demain soir, kesho magharibi, je prêcherai sur ce sujet. Nitaubiri juu ya isomo. Pourquoi nous a-t-il été donné? Kwa nini tulipewa hayo? Et vendredi soir, na siku ya tano magharibi, vendredi soir, siku ya tano magharibi, je ne veux pas que la prédication de vendredi soir soit enregistrée. Sipeni mahubiri ya siku ya tano magharibi ipate kurikodiwa. Vendredi soir, siku ya tano magharibi, anasema je prêcherai sur comment puis-je recevoir le Saint-Esprit? Nitaubiri juu ya mada inayosema namna gani naweza kupokea Roho Mtakatifu. Et comment puis-je savoir quand je l'ai reçu? Na namna gani nitajua ni wakati gani nilipokea? Et puis, na kisha, nous nous arrêterons. Tutasimamia pale. Alihubiri hii juu ya hii sujet. Il a prêché au sujet de ce thème. Quatre prédications. En quatre prédications. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Kanisa ina pasho kuelewa. L'église doit comprendre. Kienye wanaitwa upokee kutoka kwa Mungu. Ce qu'ils ont appelé à recevoir des dieux. Nanasema kisha pale. Après là, mta prêcher comment nous a-t-il été donné? Namna gani tabiri pia juu ya kusema namna gani tulipewa ile Roho Mtakatifu. Et comment puis-je recevoir le Saint-Esprit? Namna gani naweza kupokea Roho Mtakatifu. Et comment puis-je savoir quand je l'ai reçu? Namna gani nitajua ni wakati gani nilipokea. Amen. Amen.
Et cela nous concerne. C'est ça la troisième œuvre. Pour que nous soyons parfaits, il faut que nous arrivions à être baptisés du Saint-Esprit. Et si on n'arrive pas à être baptisé du Saint-Esprit, nous ne serons pas parfaits comme lui. Et nous n'irons pas dans l'enlèvement. Et Frère Branham avait dit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne connais pas qui est le Saint-Esprit. Même si tu sais ce que c'est, tu ne peux pas le recevoir si tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été envoyé. Même si tu connais c'est quoi le Saint-Esprit, même si tu connais pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé, si tu ne sais pas ce qu'il vient faire en toi, tu ne vas pas le recevoir. Même si tu connais ce qu'il vient faire en toi, même si pourquoi il a été envoyé, même si tu connais ce qu'il vient faire en toi, tu ne peux pas le recevoir si tu ne le désires pas. Amen. Dieu dit, la meilleure chose qu'il a pour ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, dans toutes les situations, le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça la chose. C'est ça la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu et on ne peut pas le donner n'importe comment. Tu ne peux pas donner le Saint-Esprit n'importe comment. Il donne seulement à ceux-là qui lui obéissent. C'est-à-dire ceux-là qui obéissent à sa parole. Amen. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, beaucoup de gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'il y a le laisser-aller dans la vie des croyants. Laisser-aller dans la vie de la prière. Nous avons convenu avec Dieu que le vendredi, journée nous serons à réunion de prière dans le tabernacle. Et là également nous serons à réunion de prière dans le tabernacle. Mais souvent, c'est peu de personnes qui réalisent. Qui réalise la valeur de venir prier Dieu. C'est vraiment peu de personnes. Parfois du côté des frères. Parfois du côté de ma soeur. Et parfois du côté des soeurs. On ne sait pas la nuit. A tout Dieu Boussikou. Si les gens viennent réellement. Mais si nous négligeons la promesse fondamentale pour notre foi, comment pouvons-nous dire que nous sommes en train de nous préparer pour aller dans l'enlèvement? Lorsque nous négligeons de venir prier Dieu, Dieu dit prier sans cesse. Nous devrions venir l'implorer. Acte 4. Depuis le verset 32. La parole dit quoi? Elle dit les frères et les sœurs. Ils étaient tous réunis dans une chambre. Et lorsque Pierre
na Yohane, je crois. Jean, lorsqu'ils ont été mis en prison, à cause de la parole de Dieu, les frères et les sœurs, ils ne sont pas partis en train de crier. Ils sont entrés dans la chambre et ils ont commencé à prier Dieu. Et Dieu a fait des miracles. Là où Pierre était en prison, le Saint-Esprit est entré et il a ouvert la prison et il les a libérés de là. Et Pierre est arrivé là où les frères et les sœurs étaient réunis. La parole dit, cet endroit là-bas avait chancelé et tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. C'était ceux-là qui étaient là où la prière se faisait. Et pas ceux-là qui étaient restés à la maison. Que notre Dieu nous aide. Qu'il nous donne la soif et la faim de prier. Nous sommes des gens de mauvais âge. Comme un frère. Apocalypse. Chapitre 3. Ophonou sur Atatou. À partir du verset. Verset 14. Nous servons à Kuminaïne et Nasemaïvi. Nakwa Malaika et Kanisa Laodikia Ambika. Maneno Haya Nasemaïe Amina. Aliye mshuhuda mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa uviumbe vya Mungu. Ninajua matendo yako, wewe si baridi wala moto. Niki kizazi ketu. Notre âge ici. Ndio kile Mungu anatuzungumzi. C'est l'âge dont notre Dieu nous parle. Allons-y, frère. Ninajua matendo yako, wewe si baridi wala moto. Afadhali ungekuwa baridi au moto. Lakini sasa kwa sababu una uvuguvugu, na wewe si baridi wala moto. Kwa sababu una uvuguvugu. Et parce que tu es tiède. Waamini wa hiki kizazi. Les croyants de cet âge. Maisha ni ya uvuguvugu. Leur vie est tiède. Moto. Le feu. Yenye ujumbe ilianzaka nayo. Avec lequel le message avait commencé. Inakuwa sasa imetimika. C'est comme s'il est éteint. Watu wanaamini. Les gens croient, la personne croit aujourd'hui, les baptisés de Jésus-Christ aujourd'hui, demain ne vient pas à l'église. Le lendemain n'arrive pas au culte. Il est minime. Ça c'est quoi? Cela atteste que il s'agit bien de la tiédeur. C'est juste ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est la vérité. La tiédeur. Elle est entrée dans l'église. Un peu partout. Malipote. Ok, frère, allons-y. La kini asa kwa sababu na uvuguvugu. Na wewe si baridi wala moto. Nitakutapika toka katika kinywa changu. Kwa sababu unasema, mimi ni tajiri. Nimepata mali nyingi, wala sihitaji kitu, nawe ujui ya kuwa wewe ni mnyonge, na mwenye maskini, na kipofu na uchi. Maskini ni nani? Le pauvre c'est qui? Maskini ni mwenye, c'est lui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Ni maskini. C'est un pauvre. Notre héritage. Uriti wetu. Richesse yetu. C'est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est lui. Mulango ya ma adizote zenye Mungu alituahidia. C'est le Saint-Esprit qui est la porte de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Allons-y, frère. Ninakupa shauri ununue kwangu zahabu iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa haya ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kupaka macho yako upate kuona. Tuache uvuguvugu. Nous devons renoncer à la tiédeur.
Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kitu cha bei sana. Le baptême du Saint-Esprit c'est quelque chose de précieux. Bwana atakupatia wakati huko mu paresse. Le Seigneur ne va pas te le donner si tu es dans la paresse. Alishatuambia. Il nous a déjà dit. Romains chapitre 12. Dans Romains 12. N'ayez pas la paresse. Musiwe na uvivu. Mukuwe na ujuzi. Le zèle. Donc mukuwe na persévérance. Ayez de la persévérance. Moi, na vous. Toi, tu es renonçons à cette. Alors que. Japokoa. Dalili ya kurudi kwa Bwana. Les signes du retour du Seigneur. C'est bien visible à nos yeux. Tout asingizia nini? Alors on va accuser qui? Bwana anasema alitupa ujumbe. Le Seigneur dit qu'il nous a donné le message. Na alitupa vyote ndani ya ujumbe. Il nous a donné tout dans le message. Dieu tupate kujanda. Pour que nous puissions nous préparer. Tufikie ku batizo wa Roho Mtakatifu. Et que nous parvenions au baptême du Saint-Esprit. Ndio shabaya ujumbe. C'est ça le but du message. OK frère. Allons-y. Verset 18. Ninakupa shauri. C'est déjà lié. Wote ambao ninawapenda mimi ninawakemea na kuongoza. Amen. Uwe na bidii ukatubu. Sikia upendo wa Mungu. Écoutez l'amour de Dieu. Upendo wa Mungu kazi yake ni kukorige. L'amour de Dieu son rôle consiste à corriger. Amen. Amen. Upendo wa Mungu kazi yake ni kudisipline. L'amour de Dieu son travail c'est de discipliner les esprits. L'amour de Dieu c'est différent de l'amour humain. L'homme lui se réjouit de l'amour écuménique. Celui-ci a son orientation. L'autre aussi a son orientation. Alors parce que nous sommes nombreux, soyons ensemble. Soyons ensemble. Toi pas moi. Non, non. Apana. Upendo wa Mungu huko pale. L'amour de Dieu n'est pas là. Non. Amen. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Par sa parole. Quand j'ai un là que. C'est corriger. Ni kusaiisha. Amen. Soma 2 Timothée chapitre 3 à partir de verset 16. Tout à l'heure, dépêchez-vous. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Kila andiko limepewa kwa maongozi ya Mungu na linafaa kwa mafundisho na kuonya watu juu ya makosa yao na kuwaongoza na kwa mafundisho katika haki. Sasa. Okay. Ili mtu wa Mungu awe mkamilifu ametengenezwa kabisa. Mkamilifu. Pour que l'homme de Dieu soit parfait. Kwa yeye kuwa libéré. Avec des faux esprits, ouais, écoutez, on a mis ma peuple en chafou. Il faut que la parole de Dieu, il a fait nous la mungu, puisse condamner ces esprits là. Ouais, écoutez, il est marrant, l'autre n'est pas d'amiaco. C'est ça. C'est ce que Dieu fait. Nous y a tout préparé pour nous préparer. L'amour de Dieu, ou peine à mungu, n'est pas œcuménique. Haiko ya umakundi kundi watu kujungaunga. Ah, non, l'amour de Dieu doit corriger tout ça. Upendo ya Mungu unapasha kusaidia kutakisha. Upendo unapasha kushurutisha. L'esprit de division. Oui. Les esprits de division. Maro ya magawanyiko. L'amour de Dieu. Upendo ya Mungu. Doit corriger. Inapasha kusaidia. Les fausses orientations. Il est mamieleke yote mbaya. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Doit corriger. Inapashwa kusahihisha. Les fausses doctrines. Mafundisho yote ya uongo. Amen. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Hiyo ndio upendo wa Mungu. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Ne supporte pas un mélange. Haivumiliake mchangamano ya maro. Non. Hapana. Mungu alisema mwaiki kizazi. Dieu a dit dans cet âge. Ngufu yenye ametupa. La puissance qu'il nous a donnée. Dieu tupate kushinda. Pour que nous puissions vaincre. C'est la puissance de l'aigle. Ni nguvu ya
tai. Ça veut dire ni kusema, le discernement des esprits. Iyo kupambanua maro. Nous ne discernons pas les hommes. Ha, tuko na pambanua watu. Nous discernons les esprits. Lakini tunapambanua maro. Nous discernons les doctrines. Na tunapambanua pia mafundisho. Amen. Amen. Mungu atusaidi. Et que Dieu nous aide. Allons-y, frère. Verset. Vous n'avez pas terminé. Oui. Apocalypse chapitre 3. Ah, on était dans Timothée. Et verset 19. Quand Mungu anatumetra en garde. Si Dieu nous fait une mise en garde. Contre les esprits de fausse doctrine. Si tout kuanani. Qui sommes-nous? Dieu, tu t'embêtes pas moi, j'en ai. Ma fausse esprit. Pour que nous marchions de pair avec les faux esprits. Allons, frère. Watu ambao nawapenda, mimi nawakemea. Na kuongoza, basi uwe na bidii ukatubu. Uwe na bidii ukatubu. Edizel, et repens-toi. Ça, c'est un âge. Hii ni kizazi. Yenye tunaombwa kuwa na bidii. Où nous sommes appelés à avoir du zèle. Na kutubu. Et de nous repentir. Kutubu, se repentir. Tendele. Tazama nasimama kwa mlango, ninapiga hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua, ninasimama kumlango. Je me tiens à la porte. Ça veut dire aiko ai apate abamu bakie fasi ndani ya mioyo ya wanadamu. Ça veut dire qu'on ne lui accorde pas la place dans les cœurs des croyants. Alors que pourtant il est un kitu qui a la zima ça. C'est ça la chose la plus importante. Aïngie ndani ya mioyo yetu. Lui qui entre dans nos cœurs. A tout baptiser du Saint-Esprit. Et qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Tayari kumulagi bwana wetu. Et que nous soyons prêts à pouvoir rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Anasema niko kumulango. Il dit je suis à la porte. Oh Mungu wetu atusaidie. Notre Dieu qui nous aide. Niko kumulango. Je suis à la porte et je continue à frapper. Alors que fasse kwenyangengia. Alors que la place où il devait entrer. Pour que nous soyons prêts. Tout timise Matthieu 25. Pour que nous puissions accomplir Matthieu 25 verset 10. Ceux qui étaient prêts. Walambo alikuwa tayari. Mais nos cœurs ne reçoivent pas la parole. Nos cœurs ne se réjouissent pas de la parole. Nos cœurs. Ce que Dieu interdit. Tout comme c'est là-dedans que nous sommes. Niko kumulango. Je suis à la porte. Ou dis examine ma soeur. Examine-toi ma soeur. Examine mon frère. Examine-toi mon frère. Unafungula moyo wako. Est-ce que tu ouvres ton cœur? Dieu a ingie. Pour qu'il y entre. Kuingia kwa ke. Le fait pour lui d'entrer, c'est lorsque vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur. La parole de Dieu n'a pas d'autre endroit où entrer. C'est dans le cœur. Pour préparer ce cœur, afin qu'il soit une habitation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Anasema Proverbe chapitre 23. Il dit dans Proverbe 23. À partir du verset 26. Depuis le verset 26. Anasema, il dit, mon fils, mwana wangu, donne-moi ton cœur. Nipe moyo wako. Donne-moi ton cœur. Nipe moyo wako. Ça veut dire moyo wako. Ça veut dire ton cœur. Il bâti tout du yaneno langue. Qu'il reste uniquement, qu'il soit seulement réservé à ma parole. Et qu'il n'y ait pas dedans autre chose. Marc chapitre 7, à partir du verset 21. Marc 7, verset 21. La somme à part, Marc. Kurudi kwa bwana ni tayari. Le retour du Seigneur est proche. Il faut voir. Une fois qu'on a. Position à Israël. Quelle était la position d'Israël? Il faut voir. Il faut s'y voir. Des histoires qui impressionnent. La puissance de Dieu. Il faut voir que le houston.
Houston. Il faut voir là, Houston. Houston. À Houston. Qui est mon pépé, il fan. Ce que le Rad Marie a fait. Je crois faire notre frère Élisée. Notre frère Élisée. Vous avez vu ce qui s'est passé à Houston. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Houston, aux États-Unis? Vous avez vu ça? Ça, c'est une puissance incroyable. Et cela se passe dans notre temps. Il y a une puissance qui a quitté la mer. La maison était devenue comme un papier. Le vent est venu et ça t'a emporté. Ça ramasse les maisons et ça jette à côté. Dieu, un homme comme le frère ici, ça vient, ça les soulève et on projette en l'air. Et comme un papier. Alors que pourtant les gens ont dit des choses épouvantables. Mais le monde ne dit absolument rien. La qui nous le monde va essayer de le noter. Ce sont des signes surnaturels. Il y a les membres en bas. La puissance là est venue de la mer. Il fallait trois tourbillons. Et ça fait trois tourbillons. Il fallait ma jambe. Ah, il fallait un miracle. Wandubu. Frère. Il n'a plus qu'à quoi l'aéroport. Il n'a plus qu'à quoi l'aéroport. Ces tourbillons arrivent à l'aéroport. Dès que d'autres Zirikou à Pâle. Tous les avions étaient là. Mais. Il n'a besoin d'un dégue, il a tout comme moi, dégue, il y a des gros porteurs. Ça soulève l'avion des trois porteurs et ça projette en l'air. Il n'a tout comme moi, ça jette en l'air. Il n'a pas exemple pour le coup ville. Et l'avion va se jeter presque là où en ville. Par les connaissances de grandes pertes, le service aéroportuaire. Et là, au niveau de l'aéroport, on a connu des grandes pertes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'avions qui étaient projetés en l'air. Alors, tout cela, tout ce qui s'est passé, il y a des choses qui commencent à se manifester. Une fois, il est étonné chez Akua, qu'on a quoi un membre en bon dans un coup petit canne, il y a beaucoup à l'ifou. Marc 7, verset 21. Nous devons apprêter le cœur. Nous devons nous examiner. Tu n'as pas à Kujichunguza. On baptise au Rome Takatifu. Le baptême du Saint-Esprit. Mais droit pour c'est un droit pour nous. En tant qu'épouse. Comme en ville de Biarossi. Christ. Ou à Christo. Ni toi. Ni haki. Pour nous. Mon bon à tout qu'on a eu comme don. Dieu le donne comme un don. Mais si c'est tout qu'on a droit, y a. Mais nous y avons un droit. Ok, frère. Pour maintenant, il y a mieux à voir, tu y en as tout comme à Wazo Mabaya. Washerati, Wizi, Uwaji, Uzini, Tama, Maovi, Maovu, Hila, Jeuri, Macho Mabaya, Matukano, Kiburi, Upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yanatoka ndani, yanafanyiza mtu mchafu. Akaon. Wakati Bwana anasema. Lorsque le Seigneur dit, mon enfant, donne-moi ton cœur, cela veut dire, c'est pour que la parole de Dieu puisse entrer et qu'elle puisse balayer toute souillure qu'il y a dans le cœur. Et que le cœur devienne la demeure du Saint-Esprit. Là où la parole n'a pas de place, le Saint-Esprit ne peut pas y entrer. Amen. Amen. C'est la parole qui nous sanctifie. Tout ce qu'on m'a donné à la légère. Alors qu'on ne prenne pas la parole à la légère. La parole, c'est la pensée parfaite de Dieu. Cette pensée, il y a oiseau.
parfaite ya Mungu ilikuwa kamilifu de Dieu ndio akaiprononce kukinywa. Et cette pensée qu'il a exprimée par la bouche ikatukia kuwa ndio neno. Alors elle est devenue parole. Na wakati anaprononce, et lorsqu'il prononce kitu kinatoka, la chose apparaît. La pensée parfaite de Dieu. Nous devons éviter d'y injecter nos propres pensées. Quand nous injectons notre propre pensée dans la parole, nous empêchons la sanctification. Prononçons seulement la parole telle que lui-même l'a prononcée. Totam kene le tout comme ville et moyen à l'itamka. Mon quoi toi tu sais dire? Que notre Dieu nous aide. Ah, amen. On baptise au nom de Katifu. Le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Niamouimou. Philippiens chapitre 1. Ou à Philippe soit la France. Deuxième servacita. Anasamamou. Qu'est-ce qu'il dit? Ali Andi Chakavin Daniel. Celui qui a commencé cette œuvre en vous, et il va l'amener jusqu'à la perfection. Cela veut dire que Dieu, il ne vient pas commencer l'œuvre à nous, sans qu'il y ait la continuation de l'œuvre. Et amener cette œuvre jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Dieu n'agit pas de cette manière. C'est nous. C'est nous qui sommes peut-être dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais lui qui a commencé l'œuvre, il la conduit, la dirige jusqu'à ce qu'elle arrive au baptême du Saint-Esprit. Ah, amen. Hébreux chapitre 6. Oui, Hébreux 6, verset 1. Troisième sœur, quoi, mon frère? Hébreux 6, verset 1. Wasoma hivi. Kwa sababu ile tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo tuendelee hata utimilifu tusiweke tena msingi kwa mafundisho ya kwanza. Quittons les premiers enseignements. Le baptême d'eau, la justification. Et que ça dure haki. Mais tuendelee. Mais continuons. Que nous parvenions au baptême du Saint-Esprit. On ne devient pas fait. Le baptême du Saint-Esprit. Wa Hébreux 12. Il est dit que nos yeux soient fixés sur Christ, qui a commencé la foi en nous. Il l'amène jusqu'à la perfection. Il l'amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et là, notre foi, elle sera une foi véritable. C'est là que Dieu va devoir agir avec notre foi. Elle va faire des choses prodigieuses avec notre foi. Alors il faut que notre foi puisse grandir. Amen. 1 Pierre chapitre 2 à partir de verset 1. Pierre 3, je souviens, puis nous savons quoi ça. Nous naissons de nouveau. Ça, de nouveau né. Quand ma vie de la tête, on a posé à l'île. Mais tout à coup on a dit, mais nous aurons la soif et la faim de sa parole pour que nous puissions grandir. Il n'est pas question de dire non, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Même Simon le magicien, il a cru et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ce baptême-là ne lui a pas été bénéfique. Il a continué à être magicien. Mais si nous croyons, nous croyons de tout cœur, nous recevons la nouvelle naissance. Ah, pour cœur, vous allez agir. Nous on attend. Ah. Amen. Dieu agit.
Mungu anatenda. Ok frère, allons-y. Kama watoto wachanga wanaozaliwa sasa, mtamani maziwa ya roho yasiyo na udanganyifu, mpate kukua na nayo hata wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwema, ni mwenye neema, na mkikuja kwake, jiwe lenye hai lililokataliwa na watu lakini chaguliwa kwa Mungu lenye heshima. Vous devez désirer le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de la vérité. Est-ce que Dieu nous a donné la parole de la vérité? Alors nous devons la désirer. Soyons des gens qui lisent la Bible. Soyons des gens qui lisent la brochure. Soyons des gens qui se mettent à genoux pour implorer Dieu. Abandonnons la distraction du monde. Dans le monde, il n'y a pas notre héritage. Notre héritage, c'est la parole que nous avons reçue de Dieu. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 1. Oui, Ephésiens chapitre 13, on se sert à Ephésiens 1, 13. Tunasoma hivi. Ndani yake nyinyi vile vile, wakati mliposikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, ni banani pale, ni wewe, ni mimi, c'est moi. Sikia vile, Roho Mtakatifu iko nasema juu yetu. Comment le Saint-Esprit est en train de parler de nous? Habari njema ya wokovu wenu, ndani yake umekwisha kuamini vile vile na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu ya ahadi. Ah, tuliamini. Nous avons cru. Juu tutiwe muhuri. Pour que nous soyons scellés. Muhuri. Le sceau. Ni Mungu anaangalia maisha yetu maisha. Dieu d'abord qui voit la vie que nous avons, depuis que nous avons cru. Anaona ile maisha inampendeza. Il va considérer que cette vie-là lui plaît. Tumekuwa watakatifu. Et nous sommes devenus saints. Tout tunamuti. Parce que nous lui étions. À travers sa parole. Dieu anaweka so. C'est alors qu'il nous scelle. Dieu a imani yetu. À cause de notre foi. Nikusema. Ça veut dire. Mina kubali maisha yako. J'approuve, j'agrée ta vie. Mina kubali imani yako. J'agrée ta foi. Wewe. Alors toi. Unakuwa candidat à l'enlèvement de l'épouse. On a quoi ça moyen n'a pas choix qu'on y a connu la belle rose. Ça c'est entre toi et Dieu. Aïko kitukia siye non. C'est pas que je veux dire nous. C'est une expérience entre wewe. C'est une expérience entre toi et Dieu. Amen. C'est pour la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte. C'est là qu'ils étaient tous ensemble. Ma bakapoke. Et ils ont reçu le Saint Esprit. Ile siku ya wadada na wandugu kule Pierre avait été emprisonné. Alishukia bote. Il était descendu sur tout le monde. Anaweza shuka. Il peut descendre. Tuku tayari. Si nous sommes prêts. Ni aji. C'est une promesse. Et Dieu est fidèle. Na Mungu ni mwaminifu. Pour accomplir pour nous la promesse du Père. Il dit, si vous, des parents, des méchants hommes, tels que vous êtes, vous avez trouvé à vous enfants des bonnes choses. Sasa mimi baba mwema. A combien plus forte raison moi les bons parents, les bons pères. Manquerais-je de donner à mes enfants le meilleur que j'ai? Et qui est le Saint-Esprit s'il me le demande. Amen. Amen. Dieu a d'abord besoin que nous recevions le baptême du Saint-Esprit. Et les autres choses, ça va venir par après. Dans ta prière, tu ne seras pas en train de prier. Dieu, bénis mes affaires. Dieu, je te demande ceci. Et lui dit non. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et recherchez ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Prière, demandons ce qui a de la valeur. Soma frère. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 9. Wafalme wa pili sura ya pili.
tuamuke. Tuamuke. Il faut que ces trois œuvres s'accomplissent dans ma vie. Allons-y. 2 Rois 2, verset 9. Inasema hivi. Hata itakuwa wakati walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisa. Elisa akasema, Elia akamwambia Elisa, omba kwangu lolote unalotaka nitakutendea. Elia alikuwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Élie était le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Élisée était le type du croyant ou de l'Église. Ce dont tu as besoin. Élisée pouvait dire, donne-moi des millions de dollars. Il pouvait les lui donner. Mais Élisée a demandé, ce qui n'a pas de valeur égale à la, avec l'argent ou l'histoire. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Frère, allons-y. Verset 10. Ok. Omba kwangu lolote unalotaka nikutende. Wakati sijaondolewa kwako. Elisa akasema, ninakuomba sehemu mara mbili ya roho yako iwe juu yangu. C'est ça la chose importante. Amen. Amen. Ce qui est important dans notre prière. Notre prière devait tourner du baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas juste tout parler quand au camp de baptiser le Rome Tagatif. Mungu signache, Dieu ne me laisse pas dans une vie qui n'est pas agréable. Dieu, transforme-moi, sanctifie-moi, remplis-moi de ton esprit. C'est ça la prière qu'il faut. Ok, frère. Elisa et Elia Kasema, umeomba neno ngumu. Lakini kama ukiona wakati ninakuombea kwa kwanza. Tu as demandé la chose la plus précieuse. Et Dieu dit qu'il ne peut pas le donner n'importe comment. Tu as demandé la chose la plus précieuse. Et je te dis, j'ai écouté ta prière. Mais comporte-toi bien. Mène une bonne vie. Et pour que ta prière soit exaucée. Amen. Amen. Mungu a tout saidié pour combattre contre le péché dans notre propre corps et dans l'église du Dieu vivant. Tu piganishe zambi katika maisha yetu na katika kanisa la Mungu aliye hai. Nous voyons mzuri nyumbani mwake na mke wake dans sa maison avec sa femme. Aishi mzuri que la soeur en bon terme avec son mari. Que Dieu nous aide. Utakatifu wetu uanzie mu manyumba zetu. Que notre sainteté commence dans nos maisons. Tusikuwe ba excusez-moi. Vous allez m'excuser. Watu ambao anakamata mke saa kikoropu. Roho Mtakatifu atakuyaka na hata ingiaka. Nous devons conduire nos femmes. Napasha kuongoza wake wetu. Avec amour. Na upendo. Et avec honneur. Na pia na heshima. Amen. Amen. Mume apende mke wake. Que l'homme aime sa femme. Na muhonore. Et qu'il l'honore. Si kama ile kuhonore. Est-ce que nous comprenons ce que signifie exactement honorer? Est-ce que nous comprenons honorer. Ce qu'on et honorer c'est quoi? Honorer ça veut dire quelque chose d'honneur pour toi. Et même auprès de tes frères. Et même auprès des voisins. Que tu la fasses honorer. C'est pas que ton frère vient de chez lui. Il vient maintenant mépriser ta femme. Non. Sous tes yeux. Non. Ce n'est pas chrétien ça. Il est avec qui Christ. Le monde.
est Dieu qui a fait écrire cette parole, si on ne s'aligne pas cette parole, le baptême du Saint-Esprit n'aura pas lieu. Tu as terminé. Umeomba neno ngumu, lakini kama ukiona wakati ninapoondolewa kwako, utalipata. Lakini kama usiponiona, hutalipata. Kama ukeshi, si tu ne veilles pas. Umeomba, tu as prié. Mais kama ukeshi, mais si tu ne veilles pas. Kama uchi aujadapte, si tu ne t'adaptes pas. L'exigence ya Mungu, à l'exigence de Dieu, ce ne sera pas possible. Ma soeur, ma soeur, ma soeur bien-aimée, ti mume wako, heshimu mume wako. Mwenye aliandikisha ile, ni mwenye unahitaji akuje ndani yako, aishi ndani yako, juu wende mwalevement. Mais atakuja kama si tu n'obéis pas. Mwenye aliandika hapa juu yako, à la parole qu'il a écrite ici au sujet de toi. Léo ma problème ziko. Aujourd'hui il y a des problèmes dans les maisons des chrétiens. Ma problème yenye naweza kukamata de 10h jusqu'à 15h jusqu'à 16h. Des problèmes mais, je dirais écoute, de 10h jusqu'à 15h. Mes frères, mes sœurs, odayango dada ndugusango. Dossier ya ba Kristo inaweza kukamata 6h durant ou 7h. Est-ce qu'on peut traiter les dossiers des chrétiens pendant 6h, 7h, chacun en train de se défendre, chacun se défend, le mari se défend, la femme se défend aussi. Et finalement. Mais le mal est là. Personne ne dit, quand même, je suis responsable. En quoi est-ce que je suis responsable dans ce problème? Personne ne s'interroge ainsi. Chacun plutôt se défend. Est-ce que c'est ça l'esprit de Dieu? Non. Apana. Bile kuba pagani, oui. Ça, chez les païens, mais chrétien, oui. Non. Mais chez les chrétiens, non. Chrétien, parce que le chrétien, lui, il veut d'abord, il veut reconnaître sa faute, qu'il se répande et qu'il abandonne ça. Et que Dieu l'embrasse. Et qu'il accomplisse pour lui la promesse. Yabab. Père. Ok frère. Ok. Somme acte chapitre 2 à partir du verset 37. Acte 2, 37. 37. Dépêchez-vous. Nasema. Ivi. Wakati waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao. Ici c'est le jour de la Pentecôte. Wakati walisikia. Lorsqu'ils ont écouté. Waliacha neno ina pénétrer dans les cœurs. Ils ont laissé la parole pénétrer dans les cœurs. Wakahuzunika. Et ils ont été attristés. Ils se sont trouvés indignes. Et ils se sont repentis. Et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour que. Parce que dans cette promesse, il y a le pardon des péchés. Et il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Ça doit s'accomplir. La même manière que ça s'est accompli les jours de la Pentecôte, nous chantons. Seigneur, donne aussi notre Pentecôte. Donne nous aussi notre Pentecôte. Et que chaque soeur soit baptisé du Saint-Esprit. Et que nous soyons réellement un peuple de Dieu. Lisez frère, allons-y. Et kachuma katika mioyo yao wakamwambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu tutafanya nini? Petro akawambia, que ferons-nous? Petro akawambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mupate ondoleo la dhambi zenu. Chacun de nous ici était baptisé au nom de Jésus Christ. Ça, sa promesse. Maintenant, voici la promesse. Promesse. La promesse. Est-ce que tu n'as qu'à chercher la promesse? Est-ce que nous veillons aussi sur la promesse pour qu'elle soit accomplie? Dieu ne ment point. Il dit, tubuni, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
et qu'il obtient le pardon des péchés. Dieu tout n'a pas parlé. Dieu nous a pardonné. Il y a quoi, maman, tout ça, mais nous combattons contre le péché dans notre vie. Mais quoi, tout n'a pas gagné, mais tout cache Dieu. Mais veillons pour le baptême du Saint-Esprit. Ça ne peut pas seulement aller en solo alors que Dieu le cite en deux. Le pardon et le baptême du Saint-Esprit. L'un ne peut pas marcher sans être avec l'autre, sans que l'autre ne l'accompagne. Amen. Amen. Ok. Petro akawambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote wote walio mbali ahadi hii ahadi hii cette promesse ya kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo pour le baptême et de recevoir le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit et tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui sont là à Goma, ils doivent aussi recevoir l'accomplissement de cette promesse. Amen. Et c'est parce que seulement on ne se comporte pas bien. On ne se comporte pas bien. Et Dieu dit qu'il n'y ait pas de critique parmi son peuple. Mais ses esprits sont toujours là. Il est maro à côté de Zikoto. Ses esprits sont toujours là. Il est maro Zikoto. La médisance. Et Kusemana Mabaya Wengine. Ah. C'est ça. Ni il est. Le laisser aller. Il est Joe. Vous les dialez, au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire, si tu n'as contraire, nous nous faisons le contraire. Écoutez mes frères, nous écoutez Dougou, mes soeurs, nous devant le Dieu saint, tous sont fautifs. What wote no nyima kosa. Amen. Tous. What wote. Akuna mwenye anastahili mbele ya Mungu mtakatifu. Personne n'est digne devant le Dieu saint. Pleure pour tes propres fautes. Et laisse-les. Paul dit que chacun prenne soin de sa vie et qu'il laisse à côté la vie des autres. Amen. Acte chapitre 8 à partir du verset 14. Acte 8, 14. Dépêchez-vous, frère. Tuna soma hivi 8:14. Nao mitume waliokuwa Yerusalema waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu wakatuma Petro na Yohane waende kwao. Wakashuka wakawaombea wapokee Roho Mtakatifu. Ah. Amen. C'est cela ce qu'il faut. La voix de la prière. Demandez le Saint-Esprit. Jeûnez. Dieu pouvait nous aider. Et que l'on se convienne. Et nous jeûnons. Et nous venons ici. Nous passons même deux jours à Fatana en train de prier Dieu, l'implorer. Il répandra son esprit. Naï atamwanga roho yake juu yetu. Amen. Amen. Acte 19 à partir du verset 1. Acte 19, verset 1. Konosoma hivi. Ikakuwa wakati Apollo alipokuwa katika Korinto, Paulo akikwisha kupita katika ya inchi ya juu za juu, akafika Efeso, akaona wanafunzi wengine, akawauliza, mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini? Wakajibu, hapana. Hatukusikia kama Roho Mtakatifu yuko. Akawauliza, basi mulibatizwa kwa batizo gani? Lorsque Paul a vu les disciples, c'était les disciples de Jean. La première question qu'il leur a posée, elle concernait la chose importante. C'était le baptême du Saint-Esprit. Il demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit?
depuis que vous avez créé. Et nous aussi, depuis que nous avons créé. L'avons-nous déjà reçu? Et l'apôtre Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Il était sûr que Christ était en lui. Mais nous, pourquoi il dit ce n'est plus moi qui vis? Ce n'est plus l'ancien Paul là, l'ancien Saïl. Il a constaté le changement dans sa vie. Il a posé la question très importante. Soit lié à Moui Moussana. Il reste il qui dû poser si. Que nous devons aussi nous poser. Allez-y, frère. Alafu wakajibu hapana hatukusikia kama Roho Mtakatifu yuko. Akawauliza. Sema hatukusikia kwamba abatufundisha. On ne même pas enseigner. Ya Roho Mtakatifu. Qui concerne le Saint-Esprit. Alors que Jean. Pourtant Jean, il avait prêché devant Jean-Baptiste, eux, Jean-Baptiste l'a dit, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi, il viendra baptiser du feu, Katikaro, et du feu et du Saint-Esprit. Mais ils disent non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul, allons-y. Paul. Et basi, mouli baptise ou qu'on baptise au Gani. Ah. On a un baptiso. Voyez le baptême. Wa rémission des péchés. Le baptême pour la rémission des péchés. Tel que nous l'avons reçu. Il n'a pas ce que produire résultat. Ça doit produire un résultat. Amen. Amen. N'a pas ce que produire résultat. Ça doit produire le résultat. Mais il nous est difficile de vivre là. Est-ce que le Seigneur dit? Il n'est pas seulement en l'air comme ça. Il dit, les cœurs des croyants ne me permettent pas de pouvoir entrer dedans. Alors, allons nous demander. Il dit, je suis à la porte. Alors, c'est nous qui sommes fautifs. Nous lui fermons la porte du cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Et si Dieu nous accorde la grâce, nous allons continuer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Avec la question qui dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il été donné? Kwanini alipewa? Comment le recevoir? Namna gani kumpokea? Et comment savoir si namna gani kujua? Je l'ai déjà reçu. Kama tayari nilishampokea. Et prions Dieu qui nous aide. Notre Père et notre Dieu, croyons que toi tu es fidèle. Baba ulituahidia kwamba tubuni kila mmoja abatizwe mtina nafsi ya Yesu Kristo apate msamaha wa dhambi na reçoive le pardon des péchés et qu'il reçoive les dons du Saint-Esprit. Baba, Père, oh Dieu, pale Yerusalemu ulitimiza hiyo ahadi. Tu as accompli cette promesse. Uko Samaria ulitimiza hiyo ahadi. Samaria, tu as accompli cette promesse. Uko Bereni, la Bere. Là chez Corneille, tu as accompli cette promesse. Accomplis-la aussi pour nous. Donnez-nous la vie qui était agréable. Notre manière de vivre continue à nous suivre et à nous ramener en arrière. Nous abandonnons totalement. Mwako. Bénis cette église. Bariki Kanisa. Bénis le pasteur. Bariki Mchungaji. Tous ceux qui travaillent avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous arrivons à la fin de notre kilt. Il y a notre frère Bagalwa pour qui nous étions en train de prier. Mungu amekwisha kumchukua nyumbani. Dieu l'a déjà repris à la maison. Adresse kwa kwenda kufariji jamaa.
l'adresse pour aller consoler la famille. Station yetu Katindo. La station yetu Katindo. Katunangalia njia ya Carmel kule. Quand on voit la route qui va vers Carmel. Face à face na école primaire. En face à face de l'école primaire. Na... Thank you.